Bonjour et bienvenue dans Vidéo Formation. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter un gratuitiel de mathématiques qui s'appelle GeoGebra pour pouvoir commencer à vous le présenter. Vous allez rechercher les informations sur Google et vous allez taper GeoGebra. Et lorsque vous voyez geogebra.org, vous cliquez dessus. Ici, vérifiez l'URL. Cliquez sur GeoGebra. Et vous voyez ici que l'interface est en français, mais vous pouvez la mettre dans une autre langue en fonction de ce que vous désirez. Ici, donc, vous voyez que GeoGebra est un logiciel libre, donc gratuit, multiplateforme. Cela signifie que vous pourrez l'utiliser sur Windows, sur Macintosh, sur Linux et sur d'autres plateformes encore. C'est un logiciel dynamique de mathématiques réunissant géométrie, algèbre et calcul différentiel. Pour procéder à son téléchargement, cliquez sur le lien correspondant et ensuite allez cliquer sur Télécharger GeoGebra. Vous voyez maintenant ici les programmes d'installation disponibles, que ce soit pour Windows, Mac OS X, Linux ou d'autres plateformes disposant de Java. Vous voyez en dessous chacune des instructions à effectuer pour que l'installation soit réussie. Lisez bien ces informations. Ici, j'utilise Windows, donc je vais cliquer sur le lien de téléchargement correspondant. Je clique sur Enregistrer le fichier. Et comme ici auparavant j'avais déjà fait un test, le fichier est directement téléchargé. Je vais donc vider la liste de l'utilitaire de téléchargement de Mozilla Firefox que j'utilise comme navigateur. Je vais réduire la fenêtre du navigateur et je vois qu'ici, le programme exécutable de GeoGebra apparaît dans le bureau. Pour lancer l'installation, j'effectue un double clic sur l'icône. Je clique sur Exécuter. L'installation est préparée. Vous voyez que c'est un logiciel de mathématiques dynamiques pour les écoles. Cliquez sur Suivant dans l'introduction. Pour l'accord de licence, acceptez les termes et cliquez sur Suivant. Vous voyez ici des informations importantes vous indiquant entre autres qu'il s'agit d'un logiciel gratuit. Vous pouvez lire toutes les informations. Cliquez sur Suivant. Ici, vous allez choisir le type d'installation que vous voulez effectuer, pardon. Donc, ça peut être une installation typique, minimale ou que vous choisissez par vous-même, que vous personnalisez. Ici, par défaut, je vais choisir typique et je choisis Suivant. Voici le dossier d'installation dans lequel figurera le programme. Laissez par défaut et cliquez sur Suivant. Vous avez un récapitulatif, un résumé des installations qui vont être effectuées, des réglages, avec notamment l'espace disque disponible, available et requis. Et vous voyez que vous avez suffisamment d'espace disque pour pouvoir l'installer. Cliquez sur Installer et laissez faire
le programme jusqu'à la fin de l'installation complète. Ici, l'installation a bien été menée à son terme. Cliquez sur Suivant. Si vous voulez lancer le programme de GeoGebra maintenant, laissez cocher la case, sinon décochez-la et cliquez sur Fait. Vous voyez maintenant le raccourci sur le bureau qui vous permettra de lancer rapidement le programme. Cette formation est terminée, c'est à vous.